Bonjour, bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Je cherche les compagnons du type. Mais ils ressemblent à quoi tes compagnons? Moi je veux bien, mais... Ah oui, vraiment le jeu. Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis la... D'accord, j'ai baissé la qualité de la foule, donc en fait ça baisse la vitesse des sprites. Ah d'accord. Non, j'ai vu que ça ramait un peu, donc j'ai rebaissé un peu la qualité. Oh par contre, oui, j'aurais dû effectivement garder la foule en maximum, hein, parce que là c'est... parce que c'est ridicule. T'en es pas un toi? Trouver, c'est des mecs avec des chapeaux blancs, visiblement. T'en es pas un toi? Mais si, c'en est un. Ça ah non, d'accord, c'est pas lui. Vous tenez vos promesses. C'est quoi? En stock dans navire, ralenti. Dans les dégâts, moins 60%. Ah, ok. Ouais, sympa. Alors, on a une. Qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? J'ai pas fait grand chose. J'ai posé ça, mais je l'ai pas construit. Donc, on va le construire. C'est parti. Badaboum. Abusé. Et ça, on va mettre un nanoche. Un nanoche qu'on m'a offert. Encore, hein je sais plus si je l'ai fait hors caméra. Hors caméra, mais voilà. C'était bien. On a un nanoche. Qu'est-ce que c'est ça? De nombreux visiteurs écourtent le séjour à Ditchwater. Ouais, bah s'ils veulent, ça leur ferait énormément plaisir. Moi, ça me fait plaisir également. Hein. Pas de. Oui, c'est formidable. Et du coup, maintenant, il faut que j'aille faire la balade. Mais moi, j'ai besoin d'un peu de def. Hein. Ça alors, ils sont drôlement gros, ceux-là. Ouais, ils sont gros, mes canons. Hein. J'ai des bons gros canons. Et on peut rien produire parce que du coup, j'ai plus de, j'ai plus de canons. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui a changé? J'ai envie de vous dire pas grand-chose dans notre vie. Alors là, j'aurais pas parié là-dessus. Ah, il y a toujours pas de saucisse, quoi. Genre, c'est la fête à la saucisse, c'est quoi ça? La boucherie. C'est full blindé, c'est full la misère. C'est quoi? J'ai tiré un coup de main. Oh, la musique est géniale. Je sais pas si ça achemine plus vite comme ça. Tenez-vous droit, on nous regarde. Ah mais t'as plus de gruic-gruic. T'as pas de gruic-gruic. Champ de patate. Il manque ça. Un petit quelque ça. Chose. Ah c'est une filature. Mais tout est plein. Tout est plein. J'en ai plein le 1. Tout est plein. Non pas ça. Ça. Ça rentre pas du coup ici. Ça rentre pas ici. Pour que ça rentre, faut que je détruise quelques champs. Ah, attendez, on va se faire ça. Je vais pas. Hop. Voilà. Du coup, on va prendre toi et on va te remettre quelques champs. Oui, oui, t'es caté. T'es caté, wesh meuf. On va te remettre quelques champs. T'es nerf. C'est quoi, j'ai même envie de démolir celui-là. On va faire les choses bien. Voilà, on va aller gratter les coins où on peut rien gratter. Ouais, c'est bon. C'est bon. Tout ce qu'il te faut. Ah, c'est parfait. Elle est heureuse. Formidable. Par contre, faut vraiment faut commencer à désengorger les choses. Hein. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais. Oh! Joli! Premier grand entrepôt. Ça rigole pas. Ah, faut gérer hein. Allez-y les poulets hein. À fond les manettes. Non c'était une filature qui t'appelle donc on monte de gruc-gruc, c'est vraiment ça le projet? Ah oui on a zéro gruc-gruc. Bon bah des gruc-gruc. Oh c'est parti des gruc-gruc. Bonjour, il me faudrait du cochon s'il vous plaît. On va en mettre cul pour l'instant. Comment j'ai posé mes champs? C'était pas comme ça qu'il fallait les mettre. Et bah voilà. Ah, c'était comme ça qu'il fallait les mettre. Voilà. On va avoir du gruc-gruc. Sinon je rajoute encore plus de gruc-gruc. Moi ça me dérange pas. Alors attendez, encore plus de gruc-gruc. Je vais maxer du gruc-gruc. Hein? Ah non c'est trop gros. Ah mince. Du coup comme ça?
Yes, ça c'est parfait. Tac. 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 Et voilà. Et ben voilà. Aussi simple. Aussi simple que de dire fromage de chaussette. Et croyez-moi que dire fromage de chaussette, c'est simple. Vous pouvez le dire chez vous. Ça, vous ne courez aucun risque. Vous pouvez le dire. Allez-y. Je vous invite vraiment à essayer. Voilà. Très joli. Incroyable. C'est très joli. Donc on est censé mener à bien une expédition, s'il vous plaît. Alors c'est parti, on va se lancer dans l'expédition. On va faire un truc intéressant. Je vous emmènerai jusqu'au bord du précipice, au bout du monde. L'île de Prosperity est à l'origine de tous les problèmes que votre père a connus. Et ça a sauvegardé la partie. On l'a accusé de l'avoir vendue à Isabelle Sarmento, figure de proue d'un mouvement indépendantiste, bien qu'elle soit hostile à la reine de l'Empire. Sir Archibald pense qu'on pourrait l'amener à coopérer, encore faut-il trouver où elle se cache. Conseil du capitaine, il faut prendre de la nourriture. Un jour, une tempête nous a renversé cul par-dessus tête. Quand on a déjà connu ça, on n'a plus grand-chose à craindre. Probable, chasse probable, nouvelle région. Ok, on va affecter un navire. Un bébé phoque dans un sale état. Pourquoi? Pourquoi? On peut pas. Ah, je suis obligé de te garder toi, mais toi t'es en piteux état. Prenez l'initiative. Je te le vends. Du coup je suis embêté, bon, on va faire une autre frégate, une frégate en meilleur état parce que... Mais par contre il faut du canon hein. Les mecs il me faut du canon. Je t'expliquerai bien qu'il me faut des canons mais... Quoi ? Les entrepôts sont submergés ! Oh mais merde hein ! Mais non lui il a de la place là ! Bossez un peu là ! Les journées sont courtes ! Ouais les journées sont courtes, comme tel. Si je te disais tout ce qu'on raconte sur toi, tu serais étonné. Yes. Je me demande si je fais pas une deuxième usine à canon. Parce qu'on doit avoir de la voile là-dedans. Alors on a beaucoup de voile. Mais là on n'a pas de canon. On sort pas de canon. D'entretien, en vrai ça s'absorbe. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi ma population a fait le yo-yo comme ça. Voilà. Très joli. Très très joli. Hein. Incroyablement esthétique. Incroyable. Pourquoi j'ai plus de paysans? Pourquoi j'ai plus rien? Secours. Voilà. La révolution! Toujours pas cette saucisse. Ah, j'ai plus d'acier. Ah, faut faire évoluer. Pour faire évoluer, il faut de l'acier. J'ai beaucoup d'agriculteurs, visiblement. Donc, on va se mettre quelques résidences fermières ici. Ici. À côté du zinc. Ah, on le coince vraiment le zinc, c'est vraiment. Bon, allez, vas-y, on s'en fiche du zinc. Voilà. On va même vous rajouter une déco de ça, me fait plaisir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Un petit parterre de fleurs là, ici, regarde, très joli. Paf. Oh là là là. C'est pas compliqué, j'ai le même à la maison. Cool. C'est la teuf, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est parce que j'ai mis des feux d'artifice, donc c'est feux d'artifice. Oh là là, c'est la méga teuf.
plus 23. Mais non, mais on est pas mal. Hein. Les mecs, ils essaient de me faire croire que c'est la crise chez moi. Bon, ils me font bien croire le truc quand même. Hein, t'sais. Pourquoi c'est le yo-yo comme ça? Quelqu'un peut m'expliquer? Je veux vraiment qu'on m'explique pourquoi c'est le yo-yo. Donc, toujours plus de canons. Hein. Encore plus. Voilà, les chantiers vont gueuler parce que. Parce que c'est la misère. Non, je... Oui. Ah oui, ils sont déjà tous améliorés, ok. À un niveau qu'on qualifierait d'acceptable. D'accord, la vitrerie. Tout se passe bien. Les portes de pêche sont pleines ici à nouveau. Il faut encore améliorer ici, hein, comme d'hab. Hein. Ici c'est terrible. Ici ce qu'on vit c'est terrible de manière annuelle. Par contre faut arrêter de me mettre en négatif alors qu'il n'y a pas de raison de tomber en négatif. C'est pas pour trois usines que j'ai construites que normalement... j'ai lancé la partie, j'étais à 2000. on rentrait du 2000, hein. C'était quand même café. Café. Donc ça, excellent. Normalement, en plus, on vend du bois, donc on est censé gagner un petit peu de pognon quand même. Un incendie s'est déclaré. Alors, on est en population négative de paysans, faut m'expliquer pourquoi. Faut m'expliquer pourquoi le nombre de paysans change subitement. Ah, parce que je crois qu'il y a un incendie. Quand je regarde le visage de ton peuple, je n'y vois que le malheur. Fais en sorte que leurs misérables conditions ne deviennent pas un problème. La caserne est juste là. Allô? La caserne, si. On mise un pomplard de plus et puis voilà, on est bien. Non mais ça arrive, un petit incendie par-ci, un petit... excusez-moi. Un petit incendie par-ci, un petit incendie par-là. Faites pas chier. Je suis sûr que dans le bonheur, voilà. Regardez, il y en a, ils nagent dans le bonheur. Voilà, on va quand même se garder une petite marge d'ouvriers parce que finalement on avait trop d'ouvriers. On en a plus. J'ai absorbé la marge d'ouvriers, hein, les usines, ça pompe des ouvriers. Ça. 200 mecs, ouais, 200 mecs par usine. Ça pompe bien, ouais. Ça pompe plutôt pas mal. Du coup, les coqueries là, elles arrivent à absorber le choc. Hein. Ça a l'air. Ça a l'air. Est-ce qu'on peut baisser juste un tout petit peu genre la production des canons? Allez, on a l'incendie moins a été maîtrisé. Ah oui. Ok. Oh oui, donc tranquille, on va. Ah, on va pas faire plus. Ou alors on la remet à zéro. Parce que là je suis en négatif et j'aime pas ça. Votre ville s'est embellie. Ouais, ben, moins d'industrie, plus la ville est jolie. Évidemment. Par contre, ça embauche 200 mecs, mais là, il n'y a pas eu plus de 100. C'est quoi le problème? C'est un peu. Il y a des trucs que j'ai pas saisi. Bon, on les aime bien. Dans le positif là, ça urge. Tête de ville. Conserverie, c'est quoi l'histoire? Ouais, non, mais c'est chiant. Théâtre. Ah, j'ai pas de théâtre. Oh, on peut se faire un petit théâtre. On peut se glisser ça quelque part, je pense. Je vais tomber mon pourcentage de WAB. Wabit. Alors que là, j'ai envie de dire. On est... Ah oui, je peux le mettre que comme ça, ok.
Pourquoi je me bats, hein? Qu'est-ce qui manque? Ah ouais, c'est gourmand de folie. Ah oui, c'est très gourmand. C'est très gourmand. Heureusement, on produit vraiment beaucoup d'acier, donc c'est pas le problème. Ça sera pas un problème à long terme. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réussir à sortir un autre navire que celui-ci, puisque celui-ci, a priori, on peut pas l'envoyer. Ça déborde de partout. Vitesse 15%, moins 60% ralentissement. Et toi, tu fais quoi? Augmente juste la vitesse. Mets-moi un pilote là-dedans. Oh. Quel navire de guerre incroyable! Quel navire de guerre incroyable! Bon, on peut sortir un vrai truc. Sur 15, du coup, assez bouge, donc c'est ça qu'il faut que je reprenne votre vitesse. Du coup, partie sauvegardée. Écoutez, hein, on va prendre un peu de malus, tant pis. Hein. Ah, c'est plus nerveux déjà. Ah, ça fait plaisir, c'est déjà beaucoup plus nerveux. C'est bien ça. On aime quand c'est un peu plus nerveux. Faut arrêter de me laisser en négatif, hein. Vraiment c'est un truc, faut arrêter. C'est rempli de marmots à la maison. C'est pour ça que je préfère filer et profiter de mes soirées. Tranquille le mec. Aucun respect. Ah, mentalité du 19e siècle, c'est ce qu'il faut se dire. Quelques bons axes, hein, tranquillement. Voilà. J'avoue, toi t'es toujours sur des routes de. Des petits chemins de terre depuis le début. Mais pour ça. 8 sur 15, ça avance un peu plus vite, hein. On va y arriver. Enfin, planche, il faut combien de planches? 40 planches pour ça. Ah ouais, non, mais on peut sortir des petits bateaux. Mais sortir des petits bateaux entre deux, ne serait-ce que pour aller les vendre et faire un peu de pognon, parce que là on est méchamment négatif, hein. Mais genre, méchamment. Population d'ouvriers en négatif. Oh, c'est possible ça? C'est vraiment possible d'avoir une population d'ouvriers en négatif. Alors ça c'est cocasse. Ah oui non c'est chiant. Non c'est pas chiant, attendez. J'ai la solution. Dans le problème de plantation. Le cessez-le-feu a expiré. Yes. Hop là. Problème réglé. Trop cher. 9. J'ai pas 9. Ok, annule tout. Calme-toi. Du coup, on a du paysan qui arrive. Il me faut plus d'ouvriers. Plus d'ouvriers. Un quartier à transformer. Une terre gênée. On n'est pas les plus malheureux. Oh, même les plus heureux, faites pas genre. Et toi, je te demandais de ta. Ah, mais non, oh, ok. C'est... Non, mais toi. Oui. Ça peut être bien, non? Thank you.
mais c'est galère en fait, les bâtiments sont pas pleins du tout. On est pas parce que bienvenus. Le marché, tout ça quoi. Attends, le marché, ah oui, si le marché commence à être un peu loin. Non, même pas ça. Un marché. Le problème du marché, c'est pas que je l'aime pas le marché, hein. Le marché il est gros. Ça serait bien de le mettre là. Ok. Eh bien, soit. Tirons une route. Et là déjà c'est mieux. Et là déjà ça va mieux. Déjà les gens sont contents là. Ah, les gens sont bien heureux. Ils sont bien heureux. Ah, toujours un peu loin du marché quand même. Hein. Ah, pas vous quand même. Ouais, en fait faudrait que je tire vraiment une route là quoi. Partie sauvegardée. Là on est pas mal là en accès au marché. Non même pas ça, ça a pas l'air de changer grand chose hein. Je le rapproche ou pas, enfin que je tire une route. Ça a pas l'air convaincant cette histoire. Ah ça a pas l'air convaincant. Ils sont tous un peu loin quoi. Yes, bon bah écoute. On va être obligé de faire comme ça hein. Pas le choix. Ah parce que vous étiez vraiment très loin. C'est la misère. Ok. Ok. On est pas si mal que ça. C'est quoi? Ah oui, il n'y a pas de route. Mince. J'ai oublié de tirer une route. Mince. Et elle se va tirer là jusque là. Et puis on va tirer du chemin pour le reste. Alors vous allez râler parce que vous êtes super loin du marché quoi. Et il y a plus de poissons. En fait, il y a plus rien du tout. Alors faut tout recréer. Hein. C'est parti. Hein. Ouais mais alors j'ai plus de côte. Alors en fait j'ai utilisé toute la côte. Comment qu'on fait? Est-ce que j'ai d'autres côtes ailleurs? Yes bah réponse réponse oui. Alors j'en ai une ailleurs. Alors paye ta galère dans 3, 2, 1 non. Ah non mais ça va être cruel là comme ça vraiment. Ouais il va me falloir un dépôt juste à côté. Et il faut que j'arrive à te raccorder jusque là. Et ben, j'ai envie de te dire, c'est parti. Voilà. C'est raccordé. Hein. De manière très propre. Vous pouvez pas nier. C'est très très propre comme façon de faire. Oh, ça pourrait être ultra intéressant de faire ça. Mais du coup, on peut pas. De l'eau de vie. Il y a une histoire de. Ouais, une histoire de zone. Navire construit. Yes. On va étirer ça au max. On a combien là? 27 sur 72. Ah oui, donc faut que je prenne vraiment toute la place et c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant. Après notre vie, je sais pas comment on est là du coup. Patate, on a vu, patate 7, eau de vie, ouais bah votre vie c'est tout le temps à 0, ok. L'eau de vie c'est vraiment. C'est vraiment terrible, hein, c'est vraiment. Y en a jamais. Hein. C'est y en a pas, c'est non, y en a pas. Vous êtes sûr, vous auriez pas un peu de. Non, y en a pas. Ah. Qu'est-ce là? Qu'est-ce là? On gratte hein. Ah, on gratte tout ce qu'on peut gratter. Limite atteinte. Ah bah magnifique. On a atteint la limite. C'est pas beau ça? On va remettre une patate à côté.
67. Et 72. On va gratter. On va gratter tout ce qu'on a pu gratter. Là, parce que je vais mettre une habitation ici et une habitation juste là. Du coup, je fais un petit chemin juste là et on est très joli. Très joli. Et je te fais une route en caillasse. Ou alors je mets un dépôt. On va encore être en négatif comme Jaja si je mets un dépôt. Ah, je connais la chanson. C'est le dépôt qui change toute une vie économique. Tiens, bouge un peu toi, pour moi. Partie sauvegardée. Ah non, ça passe. Mange un dépôt là. Tu peux pas aller là, toi. Et non. Eh ben, tu sais quoi? Tu saoules. Allez, salut. Passeport en toute saison. Oui, bah t'attends tes premières ressources, hein, c'est normal. C'est normal, c'est normal, boy. De la bonne grosse route, de la route partout. Voilà. De la bonne grosse route, le pub est fait. Le marché, vous l'avez. Ah, idéalement, faudrait que je rajoute au moins une caserne de pompiers. D'ailleurs, le Comico, ça doit être là. Hein. Le dernier doit être très loin. Ouais, c'est ça, hein. Le dernier est très loin. Hein. Ça commence à devenir compliqué. Et les pompiers. Et les pompes là, c'est par là. Faut que je rajoute un. Impérativement. D'ailleurs, ce que je devrais faire, c'est te déplacer. Déplace-toi ici. Là. Un dernier coup d'œil. Voilà, ici. Ouais, ça va partir sous presse, mais je sens que je vais pas aimer. Hein. Je sens que je vais pas aimer ce que je vais y voir. On vous surnomme Excellence, entre autres surnoms flatteurs. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je veux qu'on dépense de l'argent. Faut pas gander. Oh, plus d'argent. Vas-y, allez. Muet comme une. Ouais. Rien d'autre. Dans ce cas, j'envoie sous presse. Tout va bien. Vas-y, on voit. Balance. Influence. Influence par la population, influence par les investisseurs. Tout se goupille parfaitement. Voilà. Maintenant, la vieille est même bien. Navire construit. La vieille, si tu magouilles, elle t'aime bien. C'est rigolo, c'est bien, ils ont fait au moins deux types de personnages. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, t'auras toujours quelqu'un qui t'aime bien. Plume, influence, d'accord. Oui. Et oui, bah 20 briques, j'ai pas. 20 briques. Toujours un problème de poisson. Ça va. Toi, c'est rentré dans l'ordre. Toi. Ça rentre dans l'ordre tranquillement. Il y a pas d'embrouille. Ça va se faire, ça va se faire. On est pas mal. Donc on disait tout à l'heure, il nous manquait des ouvriers. Il nous en manque toujours. On est comment? Poisson. Mais poisson, on a la max en fait. Qu'est-ce que je me suis fait chier à tirer un truc là-bas? Bien belle journée. Comment ça, pas de chariot? Oh, je veux même pas le savoir. Tu me saoules. Et là, on revient en positif parce que. Je te dis. Et la ville est quasiment magnifique parce espérons que. Espérons que le voyage. je sais pas. Je sais pas, mais parce que. C'est vraiment. Contre le taux d'incendie de cette ville. chaud. Il fait un peu chaud dans la ville. Un peu chaud. Ok. Eh bien, très bien. C'est bon, on est en train de construire notre petit bateau. Les canons, on peut redescendre à... Voilà, 25%. Ça change plus rien, j'ai l'impression. Usine d'armement plus 1. D'accord. Tout fonctionne à moitié régime là-haut. Ah, quand je vais tout balancer plein régime, hein, ça va faire bizarre. 5 canons, on en a combien? Ah, on en a genre 0, on va avancer.
C'est la Vegatov. Ok. Alors pendant ce temps-là, on pourrait essayer d'aller checker pour voir qui est-ce qu'on peut. Qui est-ce qu'on peut satisfaire. Je me plains de rien pour changer. J'ai l'impression que si les gens ils sont heureux, ils payent des impôts. Quand ils le sont pas, ils payent pas d'impôts, j'ai l'impression. Ah, on est redescendu d'un cran. Faut se méfier. On est descendu d'un cran. Ah, mais en plus, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais faire, c'était passer. Il y a ces petites maisonnettes là. Hein. Voilà, ouvrier. Quoi ? Plus d'ouvriers. Ah, tu. Vite au secours. Passe-moi ça. Passe-moi ça au-dessus. Partie sauvegardée. Ok, vous voyez, c'est bon, nous nous voulons en positif. Ah, c'est la pluie d'impôts, d'imposition, non? Pourquoi les fermiers se barrent? C'est. Ok, c'est un gros style. C'est un gros style. Moi je leur parle, moi, c'est oublié, ces salauds pauvres là. Ah, vous voulez un schéma, c'est ça. Je sens que vous voulez un marché. Je sens que vous voulez un marché. Je vais caler là. Je vais caler un schéma là. Vous avez votre marché, ne me saoulez pas. Ne me saoulez pas. Alors, si, je sens aussi que vous n'avez pas de justice ici. Hein. Si, il y en a une. Ah, bah le comico il est juste là. Bah. Tu vois, c'est parfait. Parfait. École. Tout le monde est à portée de l'école. Voir l'influence de l'école. Merci. Ah. Ouais, ça commence à faire un peu loin pour certains, à ce qui paraît. Ouais. Ouais, à la limite, si on fait une extension par là, oui, mettre recaler une école par ici, c'est pas déconnant, quoi. Au beau milieu de la zone industrielle. Ah, ça me paraît vraiment être l'idée du siècle. Hein. Allez, je la prépose. Voilà, ça a vraiment l'air d'être une idée incroyable. C'est vraiment une idée que j'ai eue. Je me suis levé un matin, je me suis dit, oh, une école dans la zone industrielle, c'est vraiment. C'est nécessaire. Juste, c'est juste nécessaire. Et derrière, derrière l'école, le champ de patates. Ouais, le champ de patates, je vais en remettre un. Sur 72 sur 72. Et bah c'est parfait. On va même pousser la perfection un peu plus loin. On va enlever ça. On va remettre. Non. Pas ce que j'ai demandé, excuse-moi. Pas ce que je voulais faire. Et remettre une patate là. Incroyable. Et ici, on met un petit puits. Très joli. Incroyable. Non, moi ça. Très joli. Ah mais c'est bon. Non c'est bon, me saoule pas. Me saoule. Ah arrête tout. Ok, je suis pas sûr. Arrête tout. Bon, notre régate, on l'a ou pas? Ah les deux petits bateaux. Ah, il est où Jean-Michel les bateaux? Une belle journée pour une balade au bord de mer. D'accord, bah voilà, très bien, c'est magnifique. Ville convenable, bah voilà, ça fait plaisir. Je suis pas tout bité sur ces chiffres là. Chiffre de l'attrait, c'est très abstrait pour le coup. On n'avait pas à me le sortir, mais ça je l'ai sorti. Hein. Il y a pas de picole. Ah, c'est le flux tendu en picole, hein. C'est dingue, c'est vraiment. C'est. Y'a rien à boire. Hein. Rien. Allez-vous-en, y'a rien à boire. Hein.
soit, et si c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Je peux mettre ça. Ah, mais là, ici, ça touchera pas. Faut que je fasse des micro-quartiers comme ça, du coup. Patates, plus de patates. Partie sauvegardée. Juste au bout là, un petit pub. Waouh, gros rôle pub. Ah, pas de petit pub. Une fabrique. Okay. Ah, c'est trop gros. Ça rentre pas. Ah, flûte. Ah bah, flûte alors. On va la mettre là. Oh, ici, on va remettre une maison. Oh, voilà. Alors du coup vous avez pas de pub dans le coin. Parce qu'en fait j'ai pas construit tout, j'ai construit que des distilleries. Allez attendez, je vais vous tendre du bonheur hein. C'est ça, il hein, n'y a pas... Pas de pub, ouais. Voilà. Complètement fou. C'est amazing. Non c'est pas ça. C'est ça que je veux. Bon la frégate elle arrive monsieur. Eh ben faut pas être pressé. Que beau canon. Le beau canon. Allez le jeu, tu peux t'énerver un peu. Moi j'y crois. Moi je crois en un jeu d'éther qui peut s'énerver. On veut pas faire, on veut pas fabriquer l'alcool, hein. C'est vraiment officiel. Hein. C'est, les mecs, tu peux sortir tout ce que tu veux, ils boivent tout. Tout, tout ce que tu leur sors, ils le boivent. Le théâtre avec ce que j'ai, je crois que c'est toujours pas suffisant. Navire construit. Bon, ça a pas l'air suffisant, ça. 50 et 40. Ok, bah c'est bon. On a une frégate toute neuve. On peut y mettre un objet. On va lui en mettre un. Hop. Joli. De nouveaux ordres, amiral. Pas particulièrement, mais go. Le pouf. Allez. Allez, on y va. On se lance à l'aventure là. Ça s'est traîné comme ça. Affecter un navire. Hein? J'en ai dans tous les sens. La frégate, s'il te plaît. Adorage à l'horizon. Faut prendre de la bouffe. Ce qui paraît, j'en ai un petit peu. La chasse probable. Sur la faute. L'expédition va venir. Je sais pas. Tu veux que je mette quoi? Des canons? Ça change rien, des canons. D'armes. Hein. J'ai vu, il n'y a pas de fabrication d'armes. On va prendre des vêtements. On va donner ça à des sauvages. On sait jamais. Hein. Pas mal de pain. Ok, vas-y, lance une expédition comme ça. Ah, j'ai mis un truc random. Hein. Un empire s'étend sur la terre. Augmenter le bonheur des artisans. Jours heureux.
Alors, oui. Je pleure. Et je pleure comme le saule. Ah, le saule pleure. Alors toi, tu fais des vraies blagues. Alors, je vais t'améliorer juste parce que tu fais des vraies blagues, en fait. Ça me fait plaisir. Ah, ce mec fait des blagues. Moi, je trouvais ça très intéressant, très enrichissant. Ça va être un machin avec des plans... des bignoux. Hein. Alors, j'ai pas regardé c'est quoi. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Ça, on s'en fout. Et ça, 1 minute 30. Oh, c'est chiant. Donc la conserverie sera la plupart du temps à moitié vide. Ah oui, c'est très chiant pour optimiser. Il t'en faut 4. 4 bœufs. Partie sauvegardée. Si on pouvait gratter là. Alors attends. Hop. Une ferme et pas de gens. Ah ben, ça arrive. Un peu comme un sac, je crois. Oh, ça marche, ça suffit, c'est suffisant. Donc on a fait des poivrons, des petits poivrons. On déchante combien? 108. Non mais vous êtes sérieux aussi? Vous êtes sérieux aussi de balancer des chiffres comme ça là? Vous savez même pas ce que ça représente, vous 108, bande de cons. Ok, vas-y, deuxième. Par contre, que 80 ici. Voilà. Très joli. L'usine à tambouille. La tambouillade. La tambouillade. Voilà, calme-moi ça ici, très bien. Coudou. On plante directement deux usines. Hein. Voilà, on a tout fait en double, directement. Oh là là, les gabarits des machins. Ouvrez, s'il te plaît. Faut des vraies routes. Avoir qu'un seul dépôt, ça va gueuler. C'est celle de mise en boîte, ouais, c'est ça. Ok, nice. Alors, idéalement, ici, bah, il faudrait de nouveau des pompes là. Hein. Et bah, la route qui va bien juste devant. Faut que je t'agrandisse, hein. Parce que sinon ça va coincer. Hein. Ça va coincer très vite. Très vite et très fort. J'ai pas fait juste. Ouais, c'est ça, j'ai pas fait de dépôt là. Donc on va en faire un ici. Allez, c'est parti. À tout en briquant, on est des gens modernes. Nous sommes des gens modernes. Oh, c'est dommage, j'avais la place pour remettre un champ juste là. Quoi. Intéressant. Bref. Qu'ils bossent un peu, ça va les occuper. Fort bien. Ah oui, parce qu'en plus du coup, j'ai pas que ça à faire. Hein. J'ai aussi des machines à coudre à produire. Mine à charbon. Mine à bon char. Bon char. Ouais, bah bon char. Ouais, bon char, ouais. Je vois à quoi ça ressemble. Ah, ici, ok. Ok, j'ai mis la bonchar ici. Ah, par contre, j'en ai une, quoi. C'est vraiment... J'en ai une.
Oui, les fourneaux, tout ça, c'est bon, on connaît. La cabane de bûcheron, si tu veux que je t'en rajoute une, vraiment, ça me fait plaisir. C'est quoi, vraiment? Oh, ma gueule, ça me fait plaisir. Je t'en rajoute une, comme ça, tu vois. Je t'avais mise dans le petit trou, là, juste comme ça. Un petit peu plus haut. Elle est parfaite. Tac, tac, vous voyez. Hop. Parce que donc, la route, hein, on va sur un chemin dégueulasse. Un chemin dégueulasse, s'il vous plaît. Merci. Je me tiens en revenant, s'il vous plaît. Yes. Partie sauvegardée. Yes, c'est bien, ça tourne, ça roule. Ensuite, bah, une machine à coudre. Que je peux pas construire. Je peux pas construire pour la très simple et très bonne raison. Nous n'avons plus aucun pognon, nous n'avons plus rien. Donc ça, c'est, coup, c'est formidable. On va dire que demande le peuple. Voilà. Ouais, un coût d'entretien 500 boules. Hein. 500 boules, le monsieur, il a dit. Oui, vous avez bien entendu, 500 boules d'entretien, coût de construction. 12 000 fucking putain de dollars. Il joue son bazette. Il joue son bazette. C'est bon, elle est lancée ton expédition. Hein. Allez, préparez-vous. Oh, c'est bon. Ils ont même la pêche. Ok. Ok. Faites au moins semblant. Je fais semblant. Regarde. Regarde, je te montre. Regarde, regarde, regarde. Petit entrepôt. Regarde mon petit entrepôt comme il est beau. Je en fait. C'est quoi, je suis en train de faire gagner du temps. Je suis en train de construire un entrepôt encore plus proche, toujours plus. Voilà. Je peux pas faire moins semblant. C'est bon? Ça roulotte? Ça roulotte. Par contre, lui, il restera à 100% parce que, étant donné que dans ses concurrents, il y a toujours le double en production de charbon, il me sortira tout ce qu'elle peut me sortir. Alors, c'est là où on voit que la map a été faite quand même à la main parce qu'ils ont vraiment tout ce qui est très polluant d'un côté, hein, d'un seul et unique côté. Cassez-vous, barrez-vous de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il me manque certains matériaux. Oui, c'est normal, sans quoi, sans quoi. Calme-toi. Puissions-nous revoir ces rivages? Qu'une de vos expéditions est en cours. Oui, bah, oui. Vous partez à l'aventure? Vous ouais. Étonnez pas si le vieux Weebly en est capable aussi. Oui, bah, personne ne s'étonne. Ferme-la. Juste tais-toi. Et laisse-nous profiter de la musique. Un incendie s'est déclaré. Ah non, pas la distillerie! Il y a eu une explosion dans l'une de vos usines. Mais non! Mais arrêtez ça! Il faut arrêter de mettre le bazar gratuitement pour rien. Vraiment, le seul reproche que j'ai à se faire à ce jeu, c'est le yo-yo financier. On sait pas pourquoi nos finances elles font des bons en avant, des bons en arrière. La population elle bouge presque pas.
Tu sais, les gens ils payent plus ou moins en fait, c'est très bizarre. Il n'y a pas d'incendie, voilà. On peut nous faire croire qu'il y a un incendie, mais ça se passe très bien. L'incendie a été maîtrisé. Incroyable. Vraiment, je suis impressionné. Il y a toujours quoi faire. Le travail à la ferme, ça se fait pas tout seul. Exactement. Eh bien, boss, meuf. Bon, j'ai vraiment plus un copec. Hein. Partie sauvegardée. Êtes-vous un dragon parmi les mortels? C'est déjà un premier pas. Le phare de Sir Blake. En voilà la photo. Très joli. Hein. On va faire plus joli. Hein. Et du néant s'épanouit la fleur du lotus. Merci, j'avais besoin de thunes. C'est très aimable à vous. Non, ici on n'aura pas de quête. Hein. Ici c'est les vraies embrouilles, c'est ça? Ouais. On n'aura pas de quête ici. Ici. La vieille. Ouais, peut-être pas la vieille tout de suite. On a un autre lascar là, par là, là je crois. Ouais. T'as pas de quête pour moi, vieux? Bon, allez. C'est pas chiant comme ça. Lâche une quête. Bon, on sait pas. C'est ça, il va rester que la vieille donc. Parce que le vieux Weebly, je sais plus comment il s'appelle, va pas lâcher de quête. J'aurais confié ce travail à un de mes gamins, mais puisque j'espère bien que tu seras à la hauteur. Ah mais attends. Ah mais oui, attends. Faisons un peu d'argent. Ne me dites pas que j'ai encore raté un rendez-vous. Goélette au rapport. Ah, je n'attends. Faut livrer. Faut livrer 14. Très bien. Chez moi, s'il te plaît. Faut livrer 14. Ah, 13 en chute. C'est pas pourquoi on se met à consommer de la fenêtre. Des foules là partout, mais en fenêtre on est nul. J'ai raté un truc. Ah mais c'est parce que j'en ai posé qu'une, c'est ça? J'avais pas les moyens d'en mettre deux, j'en ai posé qu'une. Bah c'est formidable. Bah tu vas en poser deux. Et puis c'est tout. Faisons des vitres. Mais ça va arriver. Oh les mecs. Instantanément. Je veux du Wabbit. Wabbit. D'ailleurs, notre consommation. Notre bois doit prendre une sacrée claque là, non? Ah non, pas du tout. On continue même à en vendre. Si ça, ça commence à prendre une claque. Bon, on verra si on replante. Si on remet du bois. On verra ça. On va terminer pendant ce temps-là, non? Il faut de la brique quand même. La brique, décidément, nombreux visiteurs écourtent le séjour à Deathwater. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir? Les visiteurs s'en vont ailleurs. Visiteurs génèrent des revenus normaux. Augmentez votre attrait pour en faire venir plus. Visiteurs, revenus. Les invités spéciaux sont des spécialistes qui rejoignent votre ville. Attirer toujours plus de visiteurs pour augmenter leur probabilité d'apparition. 15%. Ok. On n'est pas très tendance. C'est ce qu'il faut retenir.
Sauf que la trèche est pas sur une échelle de passable à médiocre, c'est tout juste passable. Ouais, donc c'est plutôt médiocre quoi. Okay. Des fenêtres ? Voilà, exact. Hop, je prends les deux dernières. Hein. Du coup, j'en ai 15, puis ça suffira très bien. Tac, faut la livrer. Augmenter le bonheur des artisans. Oui, bah ça, j'y travaille, hein, si je puis dire. J'y travaille, si je puis dire. Machine à coudre. Le problème, c'est que voilà, faut la sortir de terre. On n'a pas les revenus du tout parce que 500 d'entretien. Et de dire, mec, que c'est mort. C'est même bien cuit. C'est partie bien, bien sauvegardé. Si tu rêves, mon petit bonhomme. Par contre, ce qu'on peut se faire toujours un peu plus, c'est un peu plus de wab. Wabit, wabit. Wabit, wabit. Le bon vieux wabit. Wabit, wabit. Avec un petit chemin de terre. Un petit chemin de terre, très joli. Pittoresque. T'en dirais pittoresque. Début de quelque chose. C'est bon, ça navigue. Ça navigue. À fond les ballons. Dans les gens qui peuvent donner des quêtes, il y a le mec aussi de la prison. Ah bah, il y a Sœur Machin, de toute façon. Le vicomte Goffington Hookmoth, blessé sur son propre domaine. Preuve s'il en est que sa majesté était... Ouais. Ah, c'est un clipper encore nul. Oh. Le mec il te vend que des trucs nazes. Hein. C'est officiel. Hein. Je m'étonne qu'il a été blessé avec un bateau pareil. Vous prenez l'initiative. Voilà. Mon THA nul. Zéro. Nous n'avons rien gagné. Oh, y a un mec qui se défend. Sévère. Il y a ce caillou qui a été pris par personne. Avec un gisement de bon char. Du fer. Ah, il y a de quoi planter une industrie en fait ici. Ah, on a aussi ce qu'on peut planter. Ah, du houblon. Abondance de fourrure. Ah, faudrait que je la prenne. Et comment on construit un truc? Pas trop. Houblon, fertilité, raisin. Ah, on peut faire du pif là. Là, on peut faire du picrate, c'est très intéressant. On a du gisement argileux, calcaire, cuivre. Un truc que j'ai pas. Charbon, cuivre, charbon. Fer, intéressant. Oh, ce truc là est très intéressant. Ah, faudrait que j'essaye de le coloniser très vite. Mettre un truc dessus. Serait extrêmement intéressant, enrichissant, parce que oui, parce que pour améliorer le bonheur de mes crétins là, il faut de la bière, je crois. Si on va dans les artisans, il y a la bière. Plantation. Ah non, c'est pas de la bière. Ah, c'est du rhum. Ils veulent du rhum. Du rhum, mon gars. Ah, des manteaux de fourrure aussi. Ah, ils veulent un hôpital. Ah, ça par contre, je peux faire ça. Ça vraiment, si vous y tenez, je peux essayer de bricoler un truc. Oh, putain, par contre, il sera loin. Si je le mets là-bas, il sera super loin. Et si je le rapproche, il va falloir que je fasse sauter quelques baraques. Et... en vrai, si ça fait pile un carré, je veux bien faire sauter des baraques. Ça fait pile un carré. Ça fait pile ce carré-là. Qu'est-ce qui me manque?
Bah, du verre évidemment, des sous et encore des sous et toujours des sous. Comment ça se fait que les sous c'est un problème dans le jeu? J'aimerais vraiment comprendre. J'aimerais vraiment comprendre comment ils calculent leur balance commerciale, tout ça. Parce que là, moi, il me manque une donnée que j'ai pas. Hein. Clairement. Accrochez-vous à vos bretelles et en avant vers l'inconnu. Tout le plaisir est pour moi. Naviguer à proximité du navire pour lancer l'escorte. D'accord. Donne-moi quelques instants. T'es où? T'y es presque. Vas-y à fond, ma poule. À fond, balance tout ce que t'as, donne tout ce que t'as. Sors le moteur et tout. Partie sauvegardée. Ah, formidable. Partie sauvegardée. Ah, enfin, peut-être revenir en positif, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Et ben voilà, il suffisait de s'en donner la peine. Amiral! Amiral! Escorte-moi ça. D'ailleurs, ils sont devant chez moi, c'est très rigolo. Et puis canon. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oula. Nous attendons vos ordres. Face à un redoutable vaisseau pyrophorien, votre expédition est enfin parvenue en Amérique du Sud et vos hommes n'aspirent plus qu'à un repos bien mérité. La nuit est tombée sur la baie paisible où mouille votre navire. Quand la vigie s'écrit soudain derrière nous, là surgit de l'obscurité, brasille un dragon de fer, les naseaux crépitants de flammes. C'est le même navire qu'avait le meurtrier de Monsieur Good, mais deux fois plus grand. Nous sommes à leur merci. La baie est encore dérobée à la lumière de la lune, et peut-être le dragon ne les a-t-il pas encore repérés. Si vous choisissez de vous montrer, vous n'avez pas la moindre chance contre ce formidable adversaire. Sauf à le contenir assez longtemps pour pouvoir vous échapper. La chance de réussite 20%. Cassons-nous. Vos hommes sont trop peu discrets. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas la chasse. D'autant que l'un d'eux a oublié de moucher sa lanterne. Le dragon de fer change brusquement de cap et file droit sur vous. Bientôt sa gueule s'ouvre béante au-dessus de vos foutres frêles esquifs. Et la première gerbe de flamme qui ont jailli brûle vif les hommes de la dunette. Les deux navires sont assez près l'un de l'autre pour tenter l'abordage, mais les pyrophoriens sont trop nombreux. Vous pouvez tâcher de détruire le canon à feu ou bien de distancer l'ennemi avant que le dragon ne se remette à cracher des flammes. Tentez de trahiser la gueule à feu 20%. Par contre, chance de navigation. Normalement, j'ai un pilote, ça passe. Vos navigateurs manœuvrent habilement pour capter une brise salutaire. Votre navire chevauche un vent de travers qui le propulse à point nommé hors de la baie. Alors que votre équipage longe le navire ennemi, il aperçoit les bardages de métal, l'armée des masques railleurs et le brasier d'une gueule à feu qui aurait pu sceller leur perte. L'expédition peut repartir à la recherche de Sarmento. Mais l'inquiétude règne. Comment pourrait-il en être autrement face à une telle technologie? Vos hommes se réfugient dans une crique isolée, plus loin sur la côte, où ils jettent l'ancre dans l'espoir d'échapper aux chasseurs. D'accord. Ah oui, on est obligé de perdre un peu de morale. Bah vas-y, en go. Hein. Continuez à vivre votre vie. Bon courage, hein. c'est pas gagné. Ouais, donc ça c'est bon. On se met à la recherche de machines. Oui, bonjour. Ah! Attention, sortie de terre. On est encore dans le rouge. Le retour dans le rouge. Ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas mis les pieds. Mais là, ça va commencer à faire plaisir. Parce qu'on commence à avoir des... Par contre, j'ai aucun manteau à fourrure. Donc ça c'est... Besoin fondamental. D'accord, mais je peux pas en construire d'universidad. C'est ça, pas encore. Hein. Ah, faut avoir un certain nombre. D'accord, faut avoir un certain nombre de populations. Ouais, j'avais pas fait gaffe à tout ça. À deux, c'est toujours mieux. Ouais, c'est parti. On lance l'escorte. C'est quoi ça?
C'est un clip. Mais c'est un clip de rap ou... Ok, lance-moi un clip. Je vais lancer un clip... Ah, vous êtes vraiment sérieux de venir m'embrouiller sur mes côtes? Oh, y'a des mecs qui ont vraiment cru. Y'a des mecs qui ont vraiment cru de venir m'embrouiller sur mes côtes, c'était genre la meilleure des idées. Ah, ça va pas réussir. Derrière eux. Et ben voilà, ils ont été nettoyés tranquillement. Pas d'inquiétude, tout se passe bien. J'ai pas assez d'ouvriers du coup. Qu'est-ce que c'est que ce Benz? Ah, le marché est trop loin. Et le problème c'est qu'il sera toujours trop loin. À moins que j'arrive à gratter un truc avec une route. Mais j'y crois moins. Très très moyen. On va te faire monter dans ces cas-là. Ouais, bah, ça se passe hein, tranquillement. Tranquillement. Je sais pas jusqu'où on l'emmène en fait. L'entrepôt est plein comme un œuf. Ouais, je te crois, hein. Je te crois sur parole, hein. Même pas, je vais vérifier. Je te crois sur parole, mec. Vraiment. C'est absolument pas du tout un problème. Non, c'était pas ça que je voulais. C'était le théâtre. Le théâtre, dans combien de temps on peut le gratter, le théâtre? Ah, mais le théâtre, pareil, il est trop loin du cœur de ville. Hein. Il est vraiment trop trop loin, quoi. Alors là, j'aurais pas parié là-dessus. Vous validez? Vous tombez bien, comme toujours. Risque d'émeute. Pas de cabaret. Ok. Et la grande armada. La loi Marcel. Oui, je suis certain. Que vous êtes sûr. Publie. Personne n'oserait défier votre autorité. Personne. Ne m'emmerde pas. Je veux bien que t'écrives ce que tu veux, pour enfin déclencher des guerres potentielles. C'est bon. Je pas chier le monde non plus. Quoi. Donc là, on est à portée de tout, hein, vraiment. Genre. Le marché est pas loin. Bah oui, le marché il est pas loin du tout. Par contre, l'école est un peu loin. Hein. C'est ça, hein. L'école, l'académie, tout ça, c'est un peu loin. C'est pas toujours le. C'est pas forcément la meilleure zone pour t'améliorer. Après, il faut déjà qu'on commence par déjà tout passer en route. On n'a pas le choix. Ok. T'es en galop. Le feu a expiré. Évidemment. Alors. Oui, ça y est, je l'ai construit. Mais bon, donc les premiers artisans, ils commencent à être contents, ils commencent à avoir des machines à coudre qui tombent, etc. C'est pas mal. Il faut des fourrures, donc le prochain. Il faut des quick. Il n'y a pas de quick.
sérieux, il y a vraiment pas de gruc-gruc. Genre les gruc-gruc et l'alcool, c'est vraiment une histoire quoi. Alors première vue, si ça va, une saucisserie. On va juste qu'on rajoute. Un de vos navires est attaqué. Oui, c'est vrai ? Non. Tu dis ça, tu bluffes, Martoni. Sauf que l'autre là-bas j'en ai un à cogner. Moi mon job c'est de protéger le. Ouais par contre. C'est vrai, il colle des sacrés avoines le coup. La mort elle-même ne nous réjouira pas. C'est une frégate pirate. Ouais et balance des sacrés cartouches. Sauvegarder. Non, il faut tailler là-dessus. Pas là-dessus. Oh là là, tout est embrouillé dans tous les sens. Hein. Dissipez nos doutes. Je vais vous annoter la carte avec un S, s'exclama Ramon, l'homme que Sir Archibald a envoyé vous accompagner. Pourquoi pas un X ? S'étonne le capitaine, l'air déçu. Réponds maintenant, les pétillons. Elle est la solution à tout. Vous avez vogué des jours durant le long de la côte du Nouveau Monde. Désormais, c'est à vous de décider comment vous allez poursuivre le voyage. Devant une large embouchure. Devant une large embouchure, vous invite à remonter le fleuve. La ferme, franchement, je veux juste la ferme tous quoi. Ça, celui-là, c'est chiant. Le jeu, mets-toi en pause, fous-moi la paix pendant ce temps-là. Remonter le fleuve à braver les périls qu'il dissimule dans ses méandres. Peut-être qu'on aurait intérêt à passer par la terre ferme. Avance le navigateur, plein d'espoir. Pourtant, il suffit d'un regard sur la lisière des arbres noirs et compacts pour s'en dissuader. Quel est le moindre des deux mots ? Sans chance, aucun talent nécessaire. Ouais, moi j'ai des bons navigateurs, remontons le fleuve. Le dragon pyrophorien vous a retrouvé. Oh, c'est d'abord difficile à croire, mais le rugissement des moteurs et l'épaisse fumée qui s'élève au-dessus de la mangrove ne trompe personne. Vos hommes, qui s'étaient même payé le luxe d'admirer d'étranges parterres de fleurs jaunes sur la rive sud, se retrouvent entre Charybde et Scylla. Car plus en amont bouillonnent de puissants rapides. Alors que le cuirassé ennemi a forcé l'allure, sur un côté s'ouvre un passage étroit où un navire habituellement barré pourrait s'engouffrer. Sinon vous pourriez pilonner les hautes parois rocheuses pour bloquer le passage des pyrophoriens. Ah, moi j'ai un navigateur, hein. On fait les voiles et on passe. Hein. Votre navigateur force l'allure, ce qui est déjà un exploit en soi, tant le vent se fait rare. De même, la manœuvre est judicieuse. Il lance le navire entre deux des affleurements les plus escarpés et remonte plusieurs rapides sans guère plus de dommages que les éraflures sur la coque. Un navire à peu aurait la partie. Guère plus de dommages que des éraflures sur la coque. Un navire à vapeur aurait la partie plus facile. Pourtant, le cuirassé pyrophorien renonce à prendre le risque. Votre capitaine salue l'exceptionnelle habileté de votre timonier. Mais comment expliquer que vos poursuivants aient baissé les bras? Peut-être savent-ils qu'un danger plus grand vous attend en amont. Le fleuve vous a emmené aussi loin que faire se peut. A vous de décider s'il faut poursuivre par un marécage à la profondeur incertaine ou comme le suggère Ramon par un réseau de grottes non loin. Ramon, t'as des idées de con. Chasse, je suis nul. Bah, il vaut mieux que je fasse ça. Hein. Ramon se confond en excuses, mais il n'y peut rien. Vos explorateurs sont engagés par des tunnels, étroits et oppressants, et l'un d'eux s'évanouit, pris d'une crise de claustrophobie. Après plusieurs heures d'une pénible reptation dans la boue et le guano, vos hommes finissent par déboucher dans la clairière désignée par le S de votre carte. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? S'exclame un jeune matelot, le doigt pointé sur un abri fortifié à moitié enseveli sous le tapis de végétation. C'est abandonné depuis longtemps, s'esclave-t-il. Vos informations datent un peu, Ramon. C'est alors qu'une voix retentit. Vous ne croyez pas si bien dire. Des fusils surgis de nulle part sont braqués sur vous. Un homme encapuchonné fait irruption et vous interpelle. Vous, venez avec nous. On vous passe les menottes et un bandeau sur les yeux pour vous conduire devant celle que vous pensez être Isabelle Sarmento. Qui êtes-vous ? Aboie-t-elle. Qu'est-ce que vous venez faire ici ?
Les pyrophoriens nous pourchassent. Isabelle soupire. Appuyée sur le rebord de la fenêtre, elle contemple les eaux turquoises. Ainsi, les pyrophoriens sont vos ennemis. On m'a rapporté qu'ils s'en étaient pris à vous à bord du dragon de fer. Elle expire nerveusement. Je n'y ai pas cru et pourtant vous avez risqué vos vies pour venir ici. Isabelle fait signe à ses gardes de vous détacher. Autant écouter ce que vous avez à dire. Et ben voilà, succès débloqué, conquistador. Ça veut dire que vous savez appuyer sur le clic gauche. Ainsi, vous nous avez trouvés. Jetez donc un œil aux alentours. Qu'est-ce que les laquais de l'Empire pourraient nous infliger de pire que les pyrophoriens ? De grâce, mademoiselle Sarmento. Si nous sommes là, c'est dans le seul but de prouver l'innocence de notre père. Good ? L'homme qui m'a vendu la précieuse île de la Reine ? Il est tout aussi coupable que moi. Je ne sais pas pour vous, mais mon père, lui, n'aurait jamais trahi sa reine. Je mentirais d'après vous ? L'amour est aveugle. Bien avant qu'ils ne laissent leur marque flamboyante, les pyrophoriens m'ont dit que votre père viendrait pour me vendre Prosperity. Je savais que conspirer contre l'Empire se retournerait contre nous. Quand j'ai refusé de coopérer avec les pyrophoriens, ils sont venus nous donner une leçon. De ce qu'on sait des pyrophoriens, cela m'étonnerait qu'ils soient particulièrement impressionnés. Les pyrophoriens nous ont pris Prosperity aussitôt que le contrat a été signé. Aujourd'hui, les nôtres puisent leur pétrole nuit et jour pour rien. Nous avons perdu la force de combattre. La peur ne nous a pas quittés. Et même si nous avons enterré nos morts et trouvé un refuge, je ne peux pas leur offrir un abri à tous. Votre situation n'est pas enviable, mais je me dois encore d'insister. Pour notre père. Vous insistez ? Très bien. Aidez-moi à abriter et protéger, comme il se doit, les braves gens qui se sont ralliés à ma cause. Si je constate que vous êtes digne de confiance, alors je vous retrouverai le contrat qui a scellé la vente de Prosperity. Nous sommes d'accord ? Ainsi, cette ère de légende existe vraiment. Quoi ? Ah, c'est mon bataille, il va venir là ? Ok, je sais pas, il vit sa vie en tout cas. Ah, nouvelle map, d'accord, intéressant. Expédition zoologique. On peut gagner un animal. Infecter un navire. On en a un nouveau là. Ah non, ça c'est pas un nouveau. Construisez-nous un refuge sur la isla et nous reparlerons de vous trouver. J'ai raté la. Non, pas le rogue. Si nous tentons de nous établir quelque part, les pyrophoriens chercheront aussitôt à nous exploiter. La donne serait tout autre sur une île que vous contrôlez. C'est quoi ça ? Aidez-nous. Ensuite, nous vous rendrons l'appareil. J'ai pas tout compris. Non, annule l'expédition. Mais non. Je ne me fie pas plus à votre empire qu'aux pyrophoriens. Nous ne sommes que des pions dans leur jeu. La ferme, vraiment, juste la ferme, en fait. Tais-toi. Essaye de faire fonctionner un truc. Le rogue est déjà affecté à un truc, là. Je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! On se dit à la prochaine. Des bisous, ça suffit. Ciao.